Vous nous suivez en Guinée et un peu partout dans le monde, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information. Mais tout d'abord, le sommaire. Ces derniers temps, les problèmes se multiplient en milieu carcéral. L'un des problèmes majeurs, c'est l'hygiène et la santé des prisonniers. Une situation qui va au-delà des violences des droits humains. Le combat des avocats des détenus politiques commence à porter fruit. Récemment, une trentaine de prisonniers ont été libérés sous l'ordre du ministère de la Justice. On a joint au téléphone ce samedi l'un des avocats du collectif. Encore une fois, bonsoir et merci de choisir Star 21 TV. La problématique de l'hygiène et de la santé en milieu carcéral est une préoccupation majeure car le phénomène va au-delà d'une simple question de droit de l'homme, mais plutôt une question de la dignité humaine. À ce sujet, Sayoun Camara a rencontré un activiste qui évolue dans ce domaine. Suivez son reportage. En Guinée, les conditions de détention et d'hygiène en milieu carcéral est une problématique qui préoccupe les acteurs des droits de l'homme. Cependant, elle doit être prise en compte pour une question de respect de la dignité de l'être humain dans le pays. Parlant des conditions de détention, l'environnement, puisqu'aujourd'hui tout le monde pense que c'est la maison centrale ou ce sont les prisons qui posent problème. Moi, je pense que la réalité, elle est structurelle. Et si nous devons trouver des solutions à ces problèmes structurels, il faut aller en amont et en aval et chercher le plus de solutions et diagnostiquer le problème. Le non-respect de la procédure judiciaire, la politisation et la surpopulation carcérale sont entre autres faillites de l'appareil judiciaire que dénonce cet activiste des droits de l'homme. Pour inverser cette tendance, il fait quelques recommandations. Rappeler à Monsieur le ministre de la Justice, l'interpeller solennellement et tous les magistrats, le procureur général, le président de la République, de se battre pour créer des conditions de travail aussi pour les magistrats, hein, parce que les conditions ne sont pas aussi bonnes. Regardez, moi je suis allé, le tribunal pour enfants, ils n'ont même pas un bureau à Mafanko. J'ai craint qu'un jour qu'une grenade n'explose dans la salle où on stocke les scellés. Ça pose problème. Ça, c'est un fait. Et qu'on nous nomme les juges d'application de peine, c'est fondamental. Les juges d'application de peine, aujourd'hui, on se bat pour l'exécution d'une décision de justice. Le juge d'application de peine, il a un rôle fondamental dans les conditions de vie et de détention. Les postes de police et de gendarmerie ne prennent pas en compte des conditions de santé et d'hygiène des détenus, contrairement à la maison centrale de Conakry, qui au moins réserve le minimum, a fait remarquer notre interlocuteur. Je me disais au sommaire, la justice guinéenne a procédé cette semaine à la libération de certains détenus politiques. Une décision prise après avoir examiné leur dossier dont elles jugent non lieu. Face à ce premier pas du gouvernement, leurs avocats se disent satisfaits, mais il y a encore beaucoup à faire dans cette affaire, selon Maître Alcine Aissata Diallo, joint au téléphone par Yayou Moubari. Après des mois de lutte, le combat des avocats des détenus politiques commence à payer. Des libérations massives de certains prisonniers interpellés à la dernière présidentielle en Guinée ont été enregistrées ce vendredi. Maître Alcine Aissata Diallo revient sur cette décision judiciaire. Une réaction de joie, parce que nous, on s'attendait déjà à ce que tout le monde soit libéré. Parce que avant qu'on suspende notre participation dans cette procédure, le parquet n'avait réussi d'administrer aucune preuve contre aucun de nos clients. Aucune preuve n'avait été apportée contre nos clients. Donc, mais ce qui est extrêmement regrettable, grave aujourd'hui, c'est le fait que les personnes qui se libéraient n'ont que leur dieu pour pleurer. Parce qu'il ne faut pas tendre la main à l'État ou à un tribunal pour espérer voir une décision de condamnation contre l'État par rapport à des dommages intérêts. Malgré cette décision de la justice guinéenne, Maître Alcine Aissata Diallo reste toujours sous sa faim. Il interpelle le ministère de la Justice sur le dossier d'Ousmane Gawal Diallo, Chérif Ba et Sy. C'est d'organiser immédiatement et urgemment un procès
au cours duquel nous allons prouver leur innocence, nous allons démontrer leur innocence afin qu'ils soient libérés. Les interpellations qui ont suivi l'élection présidentielle, 39 personnes ont été libérées, 59 renvoyées devant le tribunal criminel. Quant au dossier dans l'affaire de l'attaque du train minéralier, il y a eu la libération de 8 autres détenus et 10 renvoyés devant le tribunal criminel. Plus de 300 millions de dollars d'investissement public dans le secteur des télécommunications entre 2011 et 2020 en Guinée, mais sans impact. C'est du moins l'analyse tirée par un spécialiste en gestion des télécommunications. Suivez ce reportage de Mohamed Traoré et Alassane Souma. Faire mieux que le Rwanda dans les technologies de l'information et de la télécommunication était le souhait d'Alpha Condé. Cela se traduit par de gros investissements qui n'ont pas payé, ce qui ne laisse pas indifférent cet analyste en gestion de télécommunications. Pour le backbone national à fibre optique, il y a eu au départ, le projet était à 238 millions de dollars. Ça, c'est pour les 4000 km, donc disons 4300 km. De fibre optique. Donc le projet a commencé, ça fait exactement 4 à 5 années. Je pense que le projet va être quand même à terme. Donc c'était d'ici jusqu'à Yomou. Mais en tant que consultant en gestion de télécom, ce que je peux dire, mon point de vue par rapport un peu quand on prend pour ce projet seulement, je pense que c'est un projet qui a été un peu raté. Mamadi Keïta alerte les autorités sur la nécessité pour la Guinée d'avoir une ligne nationale des télécommunications. Il faut forcément qu'on ait un opérateur national parce que maintenant, là, c'est trop tard. On ne peut pas dire qu'il faut être actionnaire à Orange, il faut être actionnaire à MTN. C'est trop tard. Tu comprends? On ne peut pas être actionnaire. Il y a des ressources. Il faut qu'on ait notre propre structure, comme dans d'autres pays. Parce que quand tu prends, par exemple, l'Union internationale de télécommunications, sur les 194 pays de l'Union internationale de télécommunications, il n'y a que la Guinée qui n'a pas un opérateur fixe. A rappeler que le projet Backbone a connu un investissement de 238 millions de dollars pour le trafic analogique et numérique du pays. 48 millions investis en équipement télécom afin de remettre en marche l'opérateur téléphonique public Sotelgui. Mais jusque-là, sans succès. Sur la route Le Prince, plusieurs quartiers sont en manque d'infrastructures scolaires publiques, une attitude que le président de la plateforme des jeunes Ludor de l'Axe pour la démocratie et le développement qualifie de discriminatoire. D'ailleurs, il estime que ce manque d'écoles publiques est l'un des facteurs qui occasionne les violences que connaît cette partie de la capitale. Oumar Kondé pour le reportage. Plusieurs quartiers de la commune de Ratoman manque d'infrastructures scolaires publiques, notamment ceux de l'Axe. Une réalité qui suscite des interrogations chez les habitants de cette zone. L'État existe dans cette zone, mais par la force. Parce que quand vous prenez, si le nombre de CMIS, de gendarmerie, construites dans la zone de l'Axe, était en adéquation avec le nombre d'écoles, je vous assure qu'on ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui. On n'aurait pas à registrer tant de violences. Selon le président de la plateforme des jeunes leaders de l'Axe pour la démocratie et le développement, la marginalisation de cette partie de la capitale est l'une des raisons des multiples violences qu'enregistre la zone. Au niveau de l'Axe, vous trouverez que bon nombre d'enfants, si les parents n'ont pas les moyens, ne parviennent pas du tout à envoyer les enfants à l'école. D'où ce principe que vous connaissez, la nature horreur du vide. Et les enfants sont abandonnés à eux-mêmes, pratiquement ils n'ont rien à faire. Alors ça devient un autre problème et c'est une autre catégorie sociale qui se crée, des frustrés. Mohamed Salioba est mécanicien dans ce garage de Koloma. Il n'arrive pas à s'acquitter des frais de scolarité de ses enfants dans le privé. Ces derniers ont été contraints d'abandonner l'école au profit d'un métier. Ici, il n'y a pas d'école publique. Et nous, les parents élèves, ça nous fatigue beaucoup. On est là avec eux. On travaille avec les enfants. Parce que cette année-là, on n'a pas de quoi appeler. Ces interlocuteurs en appellent à la bonne foi des autorités afin de sortir certains enfants de cette zone de la rue.
Depuis le début de l'année 2021, une crise s'abat sur les jeunes vendeurs de friperies à Madina, le plus grand marché de la Guinée. Une de nos équipes a fait un tour au lieu communément appelé Bordeaux, où exercent ces jeunes pour s'enquérir des réalités. Alpha Omar Diallo. Ils sont nombreux, ces jeunes, à rallier cette partie du grand marché de Madina tous les jours. Ici, avoir un client est un parcours de combattant. Face à la crise de Covid-19, les déboussés sont rares, ce qui oblige ces vendeurs à baisser les prix au plus bas niveau. Konaté Adama explique les difficultés auxquelles il est confronté. Avec l'impact qui se passe aujourd'hui en Guinée, c'est un truc qui nous gêne, c'est un truc qui nous touche pleinement. Parce que c'est pas facile, finir l'école, ils viennent s'arrêter ici, vendre des trucs, c'est autre chose, vous voyez. On lance une question, on lance un à propos au président Alpha Condé, de venir voir si que vraiment ici c'est pas facile parce que nous les jeunes qui sont là, on se bat, c'est pourquoi? C'est pour le bien de notre famille. Comme Konaté, depuis plus de 6 ans, d'autres jeunes continuent à vendre des habits à Bordeaux. Une façon à eux d'éviter de sombrer dans l'oisiveté. Mais aujourd'hui, ils sont confrontés à la dure réalité de la cherté des prix, comme le témoigne cet autre. Tellement nous sommes là à Bordeaux, on se débrouille depuis la fin de notre cycle universitaire. On ne travaille pas, il n'y a pas de travail dans notre pays. Donc, au lieu de s'asseoir dans le quartier comme ça, nous préférons venir ici, cesser le petit quotidien. Nous sommes dans la galère ici, il n'y a pas de marché. On peut faire 2 à 3 jours sans gagner même 100 000 ici. Mais nous préférons ça, au lieu de faire le thé dans le quartier avec nos amis, ou bien faire le grand banditisme. À quelques mètres, nous voici dans une autre boutique de vente de chaussures. Le propriétaire s'est plaint du blocage de ses marchandises au port autonome de Conakry. C'est de diminuer un peu les taxes qui ont augmenté tout dernièrement au niveau du dédouanement au port. Et voir aussi, penser à nous aussi, parce que là, c'est pas facile. Le peu que le commerce, c'est comment? Si nous gagnons tel ça à 150, par exemple, donc si c'est cher, c'est pas nous les commerçants qui vont emporter, c'est forcément le bas peuple. Parce que c'est le dernier consommateur qui va forcément payer tout cela. Et si le taxe est un peu augmenté, ça ne serait pas de notre faute. Nous aussi, on serait obligés d'augmenter un peu sur les prix. Pour nombre de citoyens, ces jeunes qui gagnent honnêtement leur vie méritent l'attention des autorités. Direction à l'intérieur du pays, plus précisément à Cancan, plusieurs infrastructures sociales de base ont été offertes à la ville dans le cadre de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance guinéenne. Mais 4 ans après le démarrage des travaux, le constat est peu reluisant. Le point avec Abdoulaye Koyasila. Le quartier Bordeaux est l'un des quartiers périphériques de la commune urbaine de Cancan. Il a bénéficié de la construction d'un marché dans le cadre de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance. Mais cet édifice est jusqu'ici inachevé, ce qui suscite le mécontentement et la colère des habitants. Cela fait 6 ans qu'on est là avec notre atelier de couture. Depuis que les travailleurs là ont disparu, on ne voit rien et on ne fait que souffrir. On se déplace jusqu'au centre-ville. Cela coûte 10 000 francs aller et retour. Chaque fois, on entend que l'entreprise est en route pour achever les travaux. Mais franchement, on ne voit rien. On a envie de rentrer dans notre marché, mais on ne sait pas qui va nous aider maintenant. Moi, à ma pensée, moi, je demande votre volontairement de demander le chef d'État n'a qu'à nous aider maintenant. Puis on ne sait pas que c'est à retarder le marché, quoi. Mais chaque fois, ils font que nous sensibiliser tout le temps là. On n'a pas d'autre moyen à faire. On vous prie. Vous allez nous aider à avoir bonne route pour ouvrir notre marché ici-là. Ce marché est aujourd'hui à la merci des voleurs, animaux et autres jeunes délinquants. Ce n'est pas tout. Il est devenu une sorte de chambre de passage pour des couples. Cela fait plusieurs années que ce marché ne finit pas. Les voleurs sont venus voler certaines portes. C'est moi qui ai acheté les antivols puisque je ne suis pas loin. Souvent, je viens chasser les enfants. Les jeunes du quartier viennent se saouler ici et d'autres prennent du chanvre indien. Chaque nuit, des jeunes viennent satisfaire leur libido ici. On ne fait que les chasser. Donc notre vœu, c'est la finition de ce marché. Alpha Condé doit nous aider. Selon des informations,
L'ingénieur qui était en charge de la construction du marché Bordeaux se serait volatilisé dans la nature avec le reste de l'argent. Mais le chef de quartier Famourou Diawara ne semble pas connaître l'identité de l'individu. Je peux vous donner le nom de l'entrepreneur, mais je ne connais pas le nom de l'entreprise. C'est l'entreprise qui était pilotée par Jabi. Mon frère, le quartier est très loin de ça. Le contrat a été ficelé, tout ça, nous on l'a vu comme ça. Il a disparu comme ça. Et quand il est venu, on lui a montré la place, il a commencé le travail. Mais vous savez, ces entrepreneurs n'ont pas de contrat, le chef de quartier. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est que le travail qu'il leur est confié, on veille sur ça, c'est tout. Ce sont deux marchés qui ont été offerts à la ville de Cancan. Celui du quartier Cancan-Croix a eu la chance d'être inauguré. Les citoyens de Bordeaux doivent garder leur mal en patience. C'est cet élément de notre correspondant basé à Cancan qui met un terme à cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite au programme sur Star 28 TV. Au revoir.